Bonjour, président Marseille. Bonjour, messieurs les journalistes. Président Marseille, tout en direct dans le Congolais Télévision, chaîne Moko, Bayon Boko, Taka, on part en bon assez. Tout en sous température, à Kinshasa, Mouya, Imaka, Sermoni, présent, Azat, toujours dans le short Bongo, pour qu'on ait toujours coupé sa bonne information, d'une sengue, d'une qui t'a chaleur et l'équipe Makassi. Mon Boka Marseille, bonne santé, mon Boka. Oui, santé, moi bien que moi, ma larieuse au dérangé, mais Nangolan Zambé. Nous avons obligé toujours à sortir là-bas, imbo cannabis, pour la actualité imbo cannabis, soyons au moins tout tenir car qu'on y a malgré santé, ça malamte. Merci beaucoup mon imbo à Marseille. Nous aussi collègues là-bas imbo à Nigeria Congolais Télévision. Tu remets dans ce sens côté la politique et la République du Congo. On a le moment où tout la déclaration mon imbo à Bayes sur quoi aussi qu'on interpellé. Bah imbo après déclaration il y a mon imbo à africain Paul Kagame à y présent à Rwanda. Tout la nuit mon imbo à Bayes sur le quoi aussi qu'on interpelle bah imbo à parce que moi, je suis constaté l'immaturité à homme politique congolais. Parce que eux, ils ont préoccupé les politiciens congolais, c'est-à-dire qu'à l'élection, pour voir comment député, comment sénateur, ma premier ministre, ma président de la République. Ils ont interpellé Bango. Ce que l'homme ont prétendre diriger l'eau, ce que Kei, beaucoup de députés, beaucoup de députés Wapi, beaucoup de président Wapi. Pour ma premier ministre Wapi. Voilà cette inconscience dont je fais toujours allusion là-bas à politiciens congolais. Le pays est agressé. Voilà ma propos grave. Oh, quand même le lobby pour natin dans boka na biso. Et je c'est bangé le mon côté. Et ces conglomérats d'aventuriers bakenda qui katanga personne à part au moins dans Mufayu le mutasali déclaration. Bon pour na bango et je préoccupé bango té. Cette agression na ba révélation au kagama sali par rapport à complot au Isali en marche déjà contre notre pays, mais cela ne leur dit rien. Voilà pourquoi le président du Sénat, Mwanambo Kabati Lukwebo, a interpellé la classe politique congolaise dans l'ensemble. Ici, Bango, nous devons nous focaliser na bitumba oyo mboka na biso et faire face na yango. Parce que le soki qui mboka oyo disparaître, boza ba député le sous-souté, boza ba président ote, boza kana boza la lobby. Voilà un peu cette interpellation oyo, Mwanambo Kabati Lukwebo, à celle de la politicien congolais qui reste encore immature politique. Vraiment, ça laisse à dire. Merci beaucoup, Namboka. Nous aussi, pour l'imboka par rapport à la déclaration, à la présence de Namboka Bati Lukwebo. Tout ce qui est de l'ombang ou déclaration, il y a bon sortie médiatique, il y a Namboka Fouke Paul Kagame, où il y a le président Rwanda, ce que le bazo réclame toujours, ma belle, à l'obivre clairement. Vous avez réclamé toujours le Kamboutali Mabéli Nabango, il y aurait plus de Congo, ils ont pris en otage mon Namboka. Mais l'histoire, c'est que Mboka Bakosta Bissot, qui est Mabéli Zarané à Bissot, mais tout rendez na Kagame Lobby, Batala Barchi, bien pour constater que Mabéli, voilà, vous allez à la République démocratique du Congo, vous allez à Bango, République du Rwanda. Au moins, le lot, nous avons basé malam, parce que le Kagame a bimé na kata carcan au Yabandé Kobata Manassima M23. Vous vous souviendrez, Naïb Sarabino autrefois, biloko oyo M23 osala okarama osala baba simple marionnette ba grande puissance. Vous vous souvenez na bisaki autrefois au cours d'une émission que le Congo fait face à un complot international. Complot wana ozaki représenté oyo ba grande puissance ba sala ki réunion les États-Unis, ezaki représenté par Bill Clinton, la France par François Mitterrand, la Belgique par roi Léopold II et son premier ministre, la Grande-Bretagne par Madame Thatcher, pardon, voulais-je dire, et l'Allemagne par Helmut Kohl. C'est ça le complot dont Kagame fait allusion par rapport à Mabéli. Parce que selon ce complot, il a fallu que déposséder Congo dans une partie à Mabéli naï. Parce que le Congo étant un paradis, étant une terre promise, les Congolais, comme on nous considère comme des sous-hommes, toi on a droit à bénéficier de ma belle haute, de la richesse haute Nzambe à celle là Congolais. Voilà aujourd'hui, quand on a établi ce plan, c'est maintenant Kagame qui devait maintenant matérialiser ces plans, ces complots-là. Parce que pour eux, il a failli la partie est en Bokanabisouana. A commencer par Masisi, Oezali, bassin, il y a Coltan et Mbokanabiso. Si on a rivière Luapula, il fallait pas passer en Rwanda. Il y a un monaki. Même lors de l'ancien président français qui est dans le cannabis, moi, Nicolas Sarkozy, en 2009, le 25 mars 2009, devant nos députés, il y a un clair. Le Congo a partagé la richesse dans les pays voisins. Il faisait allusion toujours dans Rwanda. Deuxièmement, le Congo étant vaste, certains espaces
oyo autorité ya Congo ya l'été zalité ba iko pesa yango na ba kabola ona ba imboka mususu o ezali Rwanda. Voilà pourquoi lelo ba meti pour y arriver maintenant à ce complot là, il a fallu maintenant ko déposséder Congo na mabele na ye. Par comment il a fallu maintenant ko dépeupler certains territoires à ba congolais par la voie des armes, ko se mettre terre na se ya population pour le sénat kima aye ba déverser maintenant ba rwandais ba kote na kacha ba village na ba territoire na biso tout en se servant na nini na ba bras séculiers eux ils allaient ba militaires rwandais ou ba infiltrer ba na kacha armée congolaise. Voilà les plans lelo maintenant ba meki stratégie wana. Si c'est de comprendre la stratégie, il a fallu maintenant la mise en condition de l'armée congolaise. Il a mis des moyens, il a équipé l'armée, a bondi par sa diplomatie, a longoli, où il a dit régime, il y a notification de l'armée, il a longoli embargo, maintenant Congo, il y a armée, a tché l'armée dans la condition. Le plan on a maintenant échoué. Et puis il a refusé les mixages, les brassages. Ils allaient pèser la possibilité de fragiliser notre armée pour matérialiser le plan de la Rwanda et au Kabulambo Kanabiso. Mais qui plan on a simbité tellement que Kagame, comme il a souka, il a avancé et comme il a souhaité simbité maintenant, a bimi na karkana et maintenant, à la vérité par rapport à ces complots. Lorsque Kagame s'est permis à Kolobage, non. Tout le monde est en Congo. Mabele ni Rwanda est en Congo. Pendant que la partie occidentale de Rwanda est allée à Congo. Interrogez l'histoire. Interrogez l'histoire. La partie occidentale de Rwanda est allée Mabele à Congo. Gisenyi, ou à Gisenyi, est allée partie à territoire de Congo. C'est vrai? Oui. Parce que Gisenyi, na Goma, ils pas même 5 mètres. Ils allaient avenir de Kabola Gisenyi na Goma. Vous comprenez? C'est pour vous dire que Gisenyi wana ou les gens à Rubavu, ils sont partis, il y a territoire congolais. En son temps, bah autochtones, ils avaient qui zamba banok et nego buka ba koni. Ils étaient dirigés par les chefs Undi. Vous comprenez? Bangonde, banok et nekuna comme zamba, kubuka ba koni pour balambela. Mais les lieux communs à Rwanda, c'est à nous de réclamer nos terres na Rwanda. La partie occidentale et puis Gisenyi et faire partie na kati mabele ya Congo. Voilà pourquoi Kagame. Mais quand on a vice versa, il n'y a pas de réclamer. C'est ce que je vous dis. Parce que ce complot a échoué. Ils ont tenté par tous les moyens. Quand Kagame, il est mort à Tatouni, au nom de ce conflit, date de 2011, tantôt date de l'époque coloniale, tant en l'objet de 2011, il fait allusion à quoi? Dans l'accord au Kabila signé qu'il est 23 mars 2009. Kabila Lan. Kabila, oh, a dirigé Kimboka, oh, ce régime, il y a Sony, oh, il a dirigé Kimboka. Il y a un moment où il y a une allusion en 2011. Parce que cet accord devrait être maintenant matérialisé en 2011. Voilà pourquoi il y a une dire na ye, a une confusion. Tantôt le 2011, tantôt le depuis l'époque coloniale. Surtout aux hommes en 1885. La carte initiale, Nabiso, les Rwandais n'existaient même pas. La carte initiale, il y a Nabiso, les Rwandais n'existaient pas. Kagame doit interroger l'histoire. S'il y a des historiens en Bokanaye, nulle part, aucun livre au monde, et le Bela Kagame a fait allusion. Non. Vous comprenez? Parce que j'ai une carte, au Bakabola qui est Afrique, il y a 1885, les Rwandais n'existaient pas. C'est plutôt au Congo de réclamer les parties à terre, dans le Burundi, dans l'Ouganda, dans le Rwanda. Tous ces pays-là, Bangonde, Mabele, à Congo, Bango, Bazoa. Vous comprenez? Voilà pourquoi le roi belge a dit, si le Congo est fort, c'est au Congo de réclamer les parties Mabele, au Rwanda, Zwa, Burundi, Zwa, Ouganda, Zwa. Voilà maintenant, Nzambe a confondre Kagame Lelo. Tshisekedi ayant compris ces jeux, il y a un moment qui a refusé catégoriquement qu'intégrer les militaires rwandais, bah, bah, outil, bah, groupe armé, na M23, bah, contre la 4 armée. Parce qu'il y a Baki. Vous comprenez que Tshisekedi est à Londres, tant à du pouvoir, bah, il y a un plan wana, il y a balkanisation à Congo par les Occidentaux. Parce qu'il fallait payer ça. 500 km, payer ça en Rwanda. 500 km? Oui. Selon Corée, il y a Emira. Voilà, selon leur complot. C'est leur complot. Même Kabila, tant qu'il y a qui, tant qu'on dit qu'il y a encore à l'Emira, ils ont toujours par rapport à complot avant l'accord à l'Emira. Mais pour matérialiser Yango, ils ont fait signer les accords à Mouzé pour accepter de céder une partie à Mabele. Tu vois? Tout cela, même l'accord, tous les autres se succédé. Tous ces accords font
mention, il y a complot, on a autre tangela yo, les cinq grandes puissances ba vandaka autour d'une même table, ba loki koma ko balkaniser mboka na biso. Lorsque notre président a quitté la Grande-Bretagne, ba tali ce complot wana. Vous devez céder une partie à Mabele na Rwanda. Tu sais qu'il a été catégoriquement, il avait refusé catégoriquement. Yango moni ton abimi ayo kutana ba diaspora congolaise na Londres. Ayebi si bango tant que je serai président, même un centimètre ya Congo et okendete. Alors ba ki on pas mbaté. C'est-à-dire, en fonction, il y a Makambo Bautekoula qui s'est en Grande-Bretagne. En 2020, le 23 mars 2020, ba bengaki, ba mouvement, ba mouvement, il y a bengangoni, il y a ba société civile, na ba politicien, il y a les grands Kivu, nord na sud Kivu, ba gena ki na Allemagne, ba proposa ba un plan Marshall ouyo. Il faut balkaniser le Congo. Que les deux qui vous écoutent dans la carte à Rwanda. Beaucoup d'entre eux ont refusé le plan Marshall qui a été proposé. Même si vous avez un milliard de dollars, vous avez un peu. Beaucoup ont refusé. C'est pour dire que tout ce que le Congo subit là, l'invasion rwandaise, ils ont dit dans le complot international. Il y a un Kaboulambo qui a dit ça, il y a une partie de la Rwanda. Il y a un moni, il y a une guerre Rwanda. Il y a un Bosco Tanganda. Aki na mboka comme général à côté na kata Kichanga aboma bamibali presque nyoso na kata Kichanga. L'objectif était quoi? Ya ko dépeupler Kichanga pour na ko déverser peuple rwandais na kata Kichanga. Et où tout ça monsieur na Kishishi? Là c'est une révélation, surtout c'est une réalité. Je t'ai dit, c'est une révélation na pesa bino. Bosco Tanganda qui est aussi azana ces pays lelo qui fit soldat d'Iran na Rwanda à comme qui général na Congo à côté na Kichanga en son temps avec ses troupes, ma bonne population est belle dans la Kichanga. L'objectif était quoi? Il y a qu'on dépeuple toujours Kichanga pour déverser les Rwandais. Vous comprenez? Bah autour c'est par M23 na Kishishi. Ils ont tué plus de 200 personnes. Vous croyez que maintenant c'est l'angopam? C'était à décès. Bah yébi le Bosala. Par rapport à ces complots, ça dit qu'on dépeuple peuple autochtone au profit à bas Rwandais au bas construire que depuis guerre au Ibanda. Nous avons connu 5 millions de déplacés. 5 millions de déplacés, 12 millions de morts. Na 5 millions on a déplacés, ba nani o bazo remplacera ba territoire o ba otika. Ce sont des Rwandais. Voilà pourquoi les Congolais tout ce que vous la naïf pe inconscient na niveau o. Tant on a certains Congolais, certains politiciens o les yeux préoccupés bango, ils ont rabé élection. Pendant que mboke zo kindi. Ce complot n'est pas contre la personne de Tshisekedi. Le complot c'est contre les Congo. Lélo Tshisekedi peut partir demain ou après demain. Tant que tu as dirigé le Congo, tu feras face au même complot. C'est ça le problème. Voilà pourquoi le président Bahati a interpellé la classe politique congolaise. Va prendre conscience que tu se mettre ensemble autour de notre chef pour combattre le complot au international. Qui dit reste et le complot contre la République du Congo. Lélo Moni Lélo Oyo. Imaginez-vous dans l'autorité de Sao Aou. Tshisekedi a refusé que. Mixage, na brassage à M23 dans 4 armées. Au moins, il y a encore lieutenant-colonel, Moko, Olivier Mundeye, Mundende, Mukwiza, a sali défection dans 4 FARDC. Il a dit commandant, colonel, lieutenant-colonel. Il a fait défection, il est toujours Tutsi. Il est lieutenant-colonel, il occupait la partie Minembo. A Kimi, il y a un militaire réunion, il va rejoindre Makanika. Un autre colonel, a sali l'armée congolaise, a sali défection en son temps. Voilà pourquoi on a dit ça autrefois. Tous ces banyamulengi, bangonyoso, basa le même mode opératoire. Ben ben loko basa na Congo. Oh, tu veux dire bon bah frère Nabiso. Ce ne sont pas nos frères, ce sont des Rwandais. Ils sont des sanguinaires, je vous dis. Vous comprenez? Les preuves sont là. Ce sont des officiers supérieurs à l'armée congolaise. C'est à exactement avant-hier. Olivier Mundegewan, Mukwiza. À sa défection au sein des FARDC, à cela qui na niveau ya Minembwe, à qui le militaire réunion sur Bakézamba, va rejoindre Makanika. Un autre, Tutsi, ou à cela qui défection, il y a des cela inalé dans la armée congolaise. Vous comprenez les gens que vous appelez nos frères. Voilà pourquoi on a vu ça qui bino, les gouvernements congolais, l'autorité congolaise, il faut avoir une loi moko contraignante contre ces peuples maudits de Banyamulenge. Je vous dis, sinon, nous risquons grave de perdre ces pays.
ce même peuple ici, bah côté la carte y a Tanzanie, bah c'est ma même trouble. Et lorsque bah autorité tanzanienne bah comprenait qu'à Yango, bah bingana bah plus de 200 000 Tutsi rwandais ont été expulsés de la Tanzanie. Bah kenda sou na Burundi, bah bingana bango. Et c'est à nous maintenant au Congo que nos dirigeants bah ont courage y a ko bingana bango peuple wana. Je vous dis au cas contraire, un jour t'auras regretté. Mais ça qui a wa mode opératoire na bango isa moko. Peu importe appartenance politique na bango. Peu importe o azana na union sacrée o azana opposition. Bango nyonso ba na même mode opératoire. Parce que objectif ali nini ko zoma belé à Congo. Yango yo ba révélation bimi et pas kaga mais moko. Yango ba révélation bimi. De quel droit Kaga me peut se permettre ya ko tenir ba telle déclaration? Parce qu'à Yébi, il y a déjà un complot qui est en gestation contre le Congo. Il y a coupé sa Rwanda ma belle à Congo. Kagame le sait. Mobutu le savait. Mouzé le savait. Tshisekedi le sait. Il y a un moment Tshisekedi en 2023. En 2022, pardon. Ayambi ba diplomate au bazar accrédité en ambassadeur. Ayambi si bango boy. Alobi, je voulais rappeler à la communauté nationale et internationale les vrais enjeux de l'agression de la RDC par le Rwanda et de la crise sécuritaire dans mon pays sont économiques et hégémonistes. Voilà ce que c'est que dire devant les ambassadeurs. Et puis, à qui encore plus loin, Yarolobani, aucun Congolais n'est dit ni naïf sur cette évidence. Est-ce que vous comprenez? Que tout le monde sache hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera un centimètre carré de territoire national à quiconque pour établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Voilà, c'est le chef de l'État devant les ambassadeurs en 2022. Parce qu'il sait déjà ses complots. Et puis, les complots, il y a qu'on déposséder Congo une partie à terre naïe pour la couper ça là-bas. Nilotique rwandais wana et puis pour piller nos richesses. Il a été clair devant les ambassadeurs. Malheureusement, peuple congolais doit comprendre en côté. Le complot n'est pas contre la personne de Tshisekedi, c'est contre la République. Merci beaucoup, Mme Boka Marseille. Le complot, c'est pas contre la personne de Tshisekedi, c'est contre la République. Tout bête à bon bouquet, je suis côté la super sécurité, tout ce que mon agent Pierre Bemba. Na bayi ambassadeur chinois et pour le mansouli madame Boka Marseille. Oui, l'ambassadeur chinois a eco réitéré toujours ba relation oyo Congo izana ngona na Chine. Alobi que la Chine est prête ya ko débourser 20 millions de dollars pour na toujours coopération ya militaire entre le Congo na Chine. 20 millions. 20 millions de dollars. Voilà pourquoi ya ngona ki l'air ambassadeur a recouté notre VPM ya défense. Ya défense moi namboka Jean-Pierre Bemba même a sur la comment la Chine peut aider notre pays par sur le plan militaire. Ya ko chambongo pour les armements, ya ko chambongo pour la formation des militaires congolais parce que tout le monde a compris que le Congo est victime d'un complot international, il faut tout aider. Voilà comme la Chine, c'est parmi aussi ma grande puissance économique. A ko chambongo à côté de matériel naïe pour que Congo ait se défendre face à ces complots occidentaux ou les victimes naïango. Voilà pourquoi mon ami, cet ambassadeur, a été concentré dans notre VPM ya défense. Merci beaucoup, Mme Boka Marseille, sur le Colomba Imboka. Tout le monde a demandé ce que tu as là, en Gambo et Kachoboué, ou Mme Boka Mouzit, tu as ce côté, mais d'abord, lobby, à ce qui est le candidat, ou même dans la candidat, ou ya, et la moukate, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut que Messe Noire, Rouen et Salamaki, dans Kachoboué, ils agissent contre la République. Comment ça? Oui. Tous ces étrangers, comment ils combattent moi dans le monde? Mais tout le monde est étranger, c'est comme ça. Papa, notre pays est infiltré dans moins les pignères. Vous comprenez? Les impérialistes, c'est parce qu'ils ont un dessin. Ils ont quitté un vrai Congolais de père et de mère à diriger Mbokaho. Tant que Kekuna, tu peux imaginer pour qui l'église catholique est roulaka. Il y a un évêque catholique. Or, l'église doit être au milieu du village. Mais un évêque qui dit à tous ces conglomérats d'avancer, il y a un cachot qui est fédéré autour de la candidature de Moïse Katoum. Allez, je comprends. C'est ça la position de l'église catholique.
pendant que l'église devait être au milieu du village. Comment est-ce que l'église peut prendre position pour un candidat? Et puis candidat moi ça n'est étranger. Il y a un moni muzitu a ebisi bango clair. Ce qui bobo misa candidat commun na bino bobo misa na label ya lamukate. Parce que bino sont des bosan parce que comme lamuk e utate. À mettre bango en garde. Parce que messe noire wana ya kachobo et c'est qui pour trahir encore davantage notre pays. Basangani kuna nil par beti ma solo y a agression à Rwanda contre le Congo. Nil par ba condamné agression rwandaise dans Congo. Mais eux ils ont préoccupé bango, allons aux élections. Les élections n'apporteront rien au Congo, ceux qui mboka o ekei et kabwani. N'apporteront rien. Ceux qui basangani vraiment ba congolais, balingé tous ba fédérer autour du chef de l'État pour combattre ces complots internationaux auxquels notre pays fait face. Mais pour eux où ils ont préoccupé dans l'église catholique, les arabes élections. Voilà pourquoi Mouzou doit mettre en garde. Votre messe noire, vous avez tout ça dans le cas où vous portez la candidature de Moïse Katumbi, qui reste en postulité parce qu'il n'est pas congolais. Vous avez un label de la Moukate. Voilà des politiciens. Fayoulou qui s'est dit candidat, qui s'est réclamé ici, président élu, parce que devant l'argent a cédé. Tu vois, c'est ça, les politiciens pareil. Ceux qui déjà. Nabiloka Mike déjà vous cédez parce que c'est bino mbongo liboso et bongo lobiso rediriger Congo ba elio ba milliards zo ba intérêt na oyango yo pe sa biso bo cédez. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt ya ko appuyer cette loi Tchani et Leka pona makambo o nyonso et sila. Moi je pense que ce qui loi o eleki tout maintenant nos députés nos élus ba ko va voter ba loi contraignante contre cette fameuse communauté à Soni Banyamulenge. Oh, bah, il y a un peu de temps au Congo. Moi, je pense que c'est ça. Parce que si les Congolais n'y prennent pas garde, l'obit aux la surpris. Parce que beaucoup de Congolais, bah, ils sont inconscients jusque-là. Bah, ils comprennent la gravité de ma Kamboyo et aussi la Manambo Kanabiso. Ce qui est un chef de l'État, à Kena Goma, Tshisekedi, Tindeli est émissaire, ancien président nigérien, Obasanjo, a un même message. À Ken à Londres, ben il y a même message. Allez-y comprendre. Tu sais qu'il dit à Telemi, d'Abissi Bango, niet. Congo est concédé pas même un centimètre. À l'objet, on a Grande-Bretagne. Aïe Awa, il a convoqué les ambassadeurs. À l'objet, on se devant les ambassadeurs. Awa, allez-y comprendre maintenant la gravité du problème. Wana. Oh, certains Congolais ignorent encore jusque-là. À cause de l'intérêt de Bango égoïste, à cause de Mbongo, comme le lèche-bot, il y a étranger. Je suis désolé de le dire. Quand tu vois les évêques catholiques soutenir un étranger, demander à d'autres candidats de soutenir la candidature d'un étranger, allez-y comprendre, place Nini Tosali Namboka ou avec ses évêques. Vous comprenez? Donc, Congolais, tout l'amouka. Parce que ces complots, et comme la phase de la Souka, si le Kagami a bimi na kata karka ou a bombana, lobby a bandango zo alibi, ce sont les M23, ce sont les boys, les lois bimi yemoko, il a parlé ma maman terre. Allez-y comprendre. Mais il y a une autre fois, au cours d'une émission, Kagame a devant le Parlement rwandais, à l'oba que nous devons aller chercher nos terres au Zenakata Congo. Or, c'est l'inverse. Il y a un roi belge qui peut répondre bango. À l'oubi, les Rwanda, à ça, ma belle mouru na kata Congo. Au contraire, c'est le Congo qui devait réclamer ma belle na kata Rwanda, na Burundi, pe na Uganda. Voilà pourquoi Bissou ba Congolais, tout la mouka. Tous ont la déclaration wana, ils allaient avec échec à Kagame, mais tous ont avec beaucoup de prudence. Parce que les Blancs sont maintenant déterminés à tout. Lelo Oyo, notre président, sa vie maintenant, ils sont en danger. Parce que vous comprendrez qu'il a refusé toutes les propositions de s'allier pour la côté Kamboka. Il a refusé ça. Maintenant, sa vie est en danger. C'est à nous, les peuples congolais, de faire face à ces complots. Parce que les complots, ce n'est pas contre notre chef de l'État. Lui, il peut passer des mains. Oye, zo, c'est quand Makila n'a une des gangs. Makila, Congolais, n'a une des gangs, en moni, a zo bouya koucédé. Et puis, a tché sa vie en danger. Mais certains Congolais inconscients, bah, zo comprend le danger, on a président, zo courirte. Pour faire face devant ces grandes puissances, de dire non, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, papa. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le Mouza Koufang, il connaît le coup. Oye, Mouzi. Le notre président, le bisou, non. Mais il résume pour lui, à sa protection en Zambie. Même ceux qui n'aiment pas aussi mbati. Même ceux qui m'ont connu aussi mbati. Merci beaucoup, mon ami Marcel. Tu as vu que tu as mis tes minutes, tu as comme la souka
Mais je suis lancé tu es ici, Baimboka, ba message qu'on a vu à travers magazine, na biso na Congo live que Makambo to Lubaka, ils ont aventuré, ils ont fait ma sapoté, ils ont fable été. C'est la réalité. Ils ont aussi passé dans Mboka na biso. On a toujours interpellé la jeunesse dans l'ensemble. Toté lima. Ce qui Mboka oyu et résista qui par le passé, ils ont qui à cause y a bravoure, y a jeunesse y a Nord Kivu na Sud Kivu, parce que ce que j'allais comprendre, c'est que les dirigeants congolais ont dirigé Mboka pendant 18 ans. Mais Mboka ne s'était qu'à ma carte, la partie est ouana. Grâce à leur bravoure, c'est là qu'il y a obstruction à plan ouana, il y a Kaboula Mboka en Abissou. Les lobes, il revient encore avec leur plan. Tu sais que tu as terminé notre chef de l'État, tu as juste chance d'avoir un président, Oazali, Bissou, toi, tu as emboîté les plans, les pas, pardon, toi, accompagné. Vous comprenez? À Sengai Bissou, mobilisation générale, totalement, surtout peuple quinois. Oh bah toujours dans ma distraction inutile. Totalement, tout faire face à ces complots. Oh yombo cannabis, oh et faire face. Les locaux congolais agressés. Silence radio de par le monde. Kagame a fait une déclaration. Aucun pays au monde fait une déclaration. À part la Belgique. Aucun pays au monde. Silence radio. Parce pourquoi? Bah yebi. Parce que bah yebi que non. Mahmoud Kagame a lobi wana. C'est ça les complots. Oh ils allaient en gestation contre les Congo. Y'a moni aucun pays à lobi. Il y a un biso ba congolais, tout téléma, tout lamouka, tout fédéré autour du chef de l'État. Tout faire barrière na plan wana où il y a déjà en gestation. Kagame lelo abimi na kati ya carcan où abandé ko batama. Il a été clair. Ils ali avaient un échec d'une part et puis ils ont sur détermination, il y a ko combattre encore banguna en mboka oyo davantage. Du reste c'est tout senga à nos députés pour faire passer cette loi. Et plutôt dans la bataille à Mibale, il y a qu'on expulser tous ces banyamulenge du Congo. Bazonga Rwanda na mboka na bango parce que le Congo n'est pas leur terre. Le Congo est mboka na bango te. Ba côté belé na minembwe baza majorité. Na ba territoire musu baza majorité. Ba linga ba sala nini? Ba réclamer autonomie na bango. Ni tété la vigilance de notre chef de l'État na 2019. Voilà pourquoi l'RG est comme na souka. Eza maintenant et bimi na polele lelo kaga bimi na polele. Congolais tout la mouka. Tout le monde a une distraction. Mboka oyo na biso, mabele na biso, nzamba pesa biso, to kolégué ba na biso lobby. Alors, tout ce qui a une distraction, c'est un tina. Tout se mettre autour de notre chef, tout ce qui a une divergence na biso, ba différent na biso, tout ce qui a une appartenance politique na biso, tout défendre Mboka. Ou bo prétendre qu'on dirige lobby. Tala Moïse Katumbi, depuis agression au Ibanda na Mboka o, nana kondana Rwanda te, ti lelo. Moïse Katumbi, Matata Pone. Nana na kondana Rwanda te Mukwege nana na kondana Rwanda te allez-y comprendre mais bazuri na dirige Congo lobby omo na complicité za wana peuple congolais telemi na Goma atelemeli MONUSCO akende akufi kutina kokufa Denis Mukwege azo kondana peuple congolais par rapport à ko attaquer la MONUSCO voilà des congolais pareils des inconscients congolais et qui prétendent diriger Congo demain congolais to lamuka. Mukwege azali pio ba européen parce que hôpital Léon aura financement européen. C'est pourquoi il défend toujours les intérêts européens. Quand on le ba européen ba dit non, Télémo je la candidat mais aux ayoka soni sera meki. Ayoka soni Congolais za sou député. On comprend? Katumbi candidat européen. Yango moni ba sengi ba Fayulu, ba petit politicien, ba sesanga ba fédéré autour de Katumbi un étranger ba soutenir candidature na ye. Ni ne sengiye église catholique par l'évêque wana ya Katanga. C'est ça la position de l'église catholique. Naib sebino awaki l'église catholique et roule rapport na européen. Position nyo se Europe ezwaka ba pesa ngo église catholique na mboka o. Alors église catholique ko ayebake nous avons 8 confessions religieuses. Les 7 confessions soutiennent moi na mboka Félix Tshisekedi comme il est congolais de père et de mère. La seule confession ya Sony les alliés catholiques, na SCC soutiennent les étrangers. C'est depuis longtemps. Les lots, bah mettre bango à ni. Bah continuer à soutenir bah étrangers, SCC na Église catholique et les restes des confessions religieuses, au bazar bah patriotes, bah soutenir bah congolais des pères et des mères. Voilà pourquoi tout ça bango, tout coûte en avant une élection, na décembre, tout maintenant qu'on remporte. Parce que tout congolais a sa fongoli misu. Donc voter moi na mboka. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui du reste, il est congolais de père et de mère, tu es papa naïe à Koufa, tu es maman naïe Mars, il a limité.
papa Fayulu tu ébité, maman Katumbi en Zambie sur la coupe tu ébité, bah tu coudes distraire les Congolais. L'air est grave pour notre pays, Congolais téléma, qu'on a vantirier ou anaté, conglomérat va vantirier ou anaté bangoté. Merci, merci pour la morale. Mon téléphone va vous donner. Mon numéro c'est le +243 81 50 99 123. Isa Wabino, le président Marcel, les défenseurs, il y a Mbo Cannabis au Congo. Te coutenir à la prochaine. Bye bye. Thank you.